Le coach nous avait demandé de marquer, d'essayer de marquer vite, parce que ces matchs-là, si on ne marque pas assez vite, bah, on peut se faire avoir. En deuxième mi-temps, on a su réagir, on a marqué assez vite. On a eu peur un peu qu'on pouvait se faire égaliser vers la fin. Après, on a su marquer le deuxième but. Et ça nous a fait plaisir, ça nous a fait du bien qu'on a su défendre pour avoir le qualif. C'est le plus important. En même temps, c'était très compliqué parce qu'on jouait trop serré. On jouait pas assez sur les côtés. Le terrain n'était pas assez bon, il nous a pas beaucoup aidé. Voilà, maintenant, on a su rectifier tout ça en deuxième mi-temps et mettre ces deux buts. Le match de coupe, c'est différent, surtout que moi, c'est la première fois que je joue la Coupe de France. Ça fait toujours plaisir, surtout avec un but. Donc c'est mon premier but en équipe professionnelle, j'espère que ça ne va pas s'arrêter. J'espère qu'on va aller loin en Coupe de France. J'espère que le deuxième match va nous servir de leçon par rapport au premier match, parce qu'on n'a pas fait un très bon match. Déjà, je suis content de pouvoir intégrer le groupe. C'est mon dernier match, ça fait je pense plus de 4-5 mois, c'est contre Marseille. Bah écoute, je suis très content surtout de rejouer, surtout même si c'est une Coupe de France contre l'équipe des HR, mais le plus important c'est la victoire. Et je sais que je suis encore très loin du niveau des autres joueurs, mais le plus important c'est de faire ce match à 90 minutes et de ne pas avoir de douleur. Et les sensations sont bonnes, donc je suis très content pour moi et aussi pour l'équipe pour cette victoire. Les coupes, c'est comme ça. Beaucoup de gens disent que quand on ne se joue pas, on gagne. Donc je pense que même si c'est une DHR, il y a des écarts quand même de différence, de qualité et tout ça. Mais bon, ils ont joué leur carte, ils ont joué à fond. Nous aussi, on a beaucoup de joueurs qui jouent pas mal ensemble. Ça fait longtemps, il y a beaucoup de joueurs aussi que ça fait longtemps sans jouer. Donc je pense que le plus important, c'est qu'il faut prendre cette victoire. Et maintenant, il faut se concentrer sur le championnat. Et maintenant, tout le monde est concerné par rapport à ce championnat qu'on va jouer jusqu'au bout. Ils se sont donnés à fond, c'était compliqué. Après, le terrain était compliqué aussi. Donc voilà, quoi, c'était un match très compliqué dans l'ensemble. Mais après, on s'est donné le moyen de marquer le premier but. Après, on a eu quelques frayeurs. Puis après, on obtient le pénalty à la 85e, je crois, quelque chose comme ça. Donc après, c'était beaucoup plus facile pour gérer le match, quoi. Le plus important, c'est d'accrocher la qualif et de pas faire traîner le match, etc. On a su marquer vite en deuxième mi-temps. Et du coup, après, on s'est rendu le match un peu plus facile quand même. Oui, c'est important parce que comme ça, on a du temps de jeu avec l'équipe première. On peut montrer ce qu'on sait faire au coach, etc. Donc voilà, c'est tout bénef pour nous. On doit se donner à fond.